Les trois films à voir cette semaine. En premier, La Zone d'intérêt. Le commandant d'Auschwitz, Rudolf Hoss, et sa femme Edwige construisent la maison de leurs rêves et tentent de créer une vie idyllique pour leurs enfants. Tout ça juste derrière un mur qui les sépare du camp. Un film à la réalisation originale sur la normalisation du mal. Ensuite, Argyle. Le destin d'une autrice à succès est chamboulé lorsqu'une de ses intrigues commence étrangement à ressembler aux opérations secrètes d'une véritable organisation d'espions. Elle se retrouve alors dans une course contre la montre aux quatre coins du monde pour éviter que sa fiction ne dépasse la réalité. Casting incroyable et en plus, il y a Dua Lipa. Et pour finir, Le bonheur est pour demain, avec Laetitia Casta dans le rôle de Sophie. Cette femme trouve sa vie monotone jusqu'au jour où elle rencontre Claude, un homme drôle et séduisant. Sauf que Claude est aussi un braqueur de banque. Leur histoire prend un tournant tragique lorsqu'il est condamné à une grosse peine de prison. Sophie ne renonce pas à cette relation intense, prête à affronter toutes les conséquences. Alors tu vas aller voir lequel ?